Le bon départ de Benjamin Loco, le pilote de Besouro qui prend l'avantage. En deuxième position, on vient piquer dans les intérieurs avec Léo Froidmeau. Léo Froidmeau, le 19 en deuxième position. Et puis avec sa plaque 78, c'est Adam Cheminot qui obtient la troisième place. Et le bon départ, et gagne la première place avec le pilote de Paris Cadet. Attention, parce que le pilote de l'équipe, le pilote de l'équipe, tout seul dans le finale. À la cause d'avant-poste, c'est toujours le même leader, Benjamin Loco. La deuxième place pour la plaque 78, où il s'agit d'Adam Chalumeau. Et le retour de Luca Mangvinelli, Léo Froidmeau, Léo Froidmeau, le pilote de Mélanie, le pilote de Mélanie, le pilote de Mélanie. Sur la ligne, ça s'est joué. Alors là, on va faire un petit peu de soucis. Ok, Ryan, random start. Riders, ready, watch the game. Allez, la demi-finale dans cette catégorie de pupilles, avec un seul départ pour le pilote qui porte la plaque 52, c'est Tom Létranger du côté seulement en première position, Nolan Jardon à la deuxième place, la troisième position pour Luca Huard en troisième position pour l'instant, et pour la quatrième place, il y a cette catégorie, il y a une catégorie, avec peut-être le niveau de jeu qui va devoir résister à sa place de tous les côtés.